Jukebox exclusive. Jukebox. And merci, woman. Let's go. Hello, baby. How you doing? Feeling so lonely. Come and see me. Come and put your hands on your body on me. Feeling so cold, baby. Come and pull me. Oh, yeah, yeah. Baby girl, you're on fire. Baby girl, you're on fire. And your body started to make me mind ya. Be us forever and ever, girl, forever. Come when I'm shake 'em, break down the booty. When I'm shake 'em, baby girl, I need your attention. Girl, I need your attention. Come when I'm shake 'em, break down the booty. When I'm shake 'em, baby girl, I need your attention. Girl, I need your attention. Wanna fly away with you. We just wanna do this thing with you. I never go use you to take that too. No time to waste, my baby boo. I just wanna fly away with you. We just wanna do this thing with you. Come when I'm shake 'em, break down the booty. When I'm shake 'em, baby girl, I need your attention. Girl, I need your attention. Come when I'm shake 'em, break down the booty. Baby girl, I need your attention. Girl, I need your attention. Faites encore plus de bruit pour lui. La question que je me pose, c'est pourquoi le choix de l'anglais pour transmettre ton message? Bon, je suis un Ivoirien, mais j'ai fait les études au Ghana. Au Ghana, ok. Ouais, mais donc ici beaucoup là-bas. Donc j'ai commencé ma carrière, commencé là-bas. Fait. Ok. J'ai préféré faire un peu d'anglais, mais après mélanger avec un peu de français. D'accord. Et au Ghana, tu as déjà sorti des disques, tu as déjà fait des singles bon, là-bas? Bon, ça, c'est mon deuxième single. Mon premier single est sorti l'année passée. Ok. Et ça, c'est mon deuxième single. Et la chanson s'intitulait? Attention. Attention. J'ai eu l'impression que tu parlais d'amour. Ouais, tout ça. Ouais, ça parle d'affection, amour, tu connais. Ça parle d'affection, d'amour. Oui, oui. Et tu aimes beaucoup le goût. Non, pas beaucoup de goût, hein, c'est pas mais derrière, Dieu Brisé, dis-moi, il y a un album qui arrive derrière. C'est quoi la suite maintenant que tu es rentré au pays? Il y a un album. Pour le moment, je dois faire un peu de promotion sur ce son d'abord. D'accord. Et après, maintenant, je vais travailler sur mon album. Ok, d'accord, super. Faites encore plus de bruit pour Dieu Brisé. Pour tous ceux qui aimeraient te joindre, pour tous ceux qui voudraient travailler avec toi, s'il y a un contact que tu peux laisser. Ah ok, bon, je vais appeler mon manager qui est là. Ton manager, ok, on le fait venir rapidement. Comment il s'appelle? Prince Valera. Prince Valera, s'il te plaît. Rapidement. Ok. Salut Prince. Salut. En tout cas, comment tu vas? Ça va. En tout cas, tu as vraiment une pépite là. Hein? Si. Tu vas laisser le contact pour qu'on puisse le joindre? Il n'y a pas de souci. Ok. On peut nous contacter au 07 okay. 04 oui. 92 42 88. Répète le numéro. 07 04 92 42 88. Merci Prince. Merci Jay. Enfin, du coup, Merci. Franchement, c'est un chanteur exceptionnel. Lewis, la lumière, s'il te plaît. Ok. Mesdames et messieurs,
Wamiana, bienvenue à votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, pour vous, une superstar venue des États-Unis qui vient vous présenter son nouveau concept et à côté, beaucoup, beaucoup d'activités, du rire, de l'enjaillement, des buzz et tout ce que vous adorez dans Willy à midi. Mais en attendant, recevez ici et maintenant celui que tout le monde attend, l'incroyable, le seul, l'unique, Willy Demo. Merci. Ça va, c'est bon. Merci. On fait ça, chape, il n'y a pas tant. Les esprits, ça va ou pas? Ouais. Merci. Allez, après un séjour fructueux au pays de l'oncle Sam, il est de retour au pays. L'enfant prodige de Brobro, superstar des Baoulés, revient avec un nouveau concept. Sous les bras, bien sûr, il a choisi notre plateau pour sa présentation en totale exclusivité. Le Debout, désormais, manager confirmé, sera là dans quelques instants. Avec lui, un jeune artiste en pleine ascension, talent du rap et de l'afrobeat ivoire, le talentueux Maro va nous rejoindre ici également. On aura aussi bien sûr donc une entrepreneur sera aussi bien sûr là dans quelques instants pour nous parler donc de son œuvre. C'est bien sûr une soirée, un événement totalement gratuit, voilà, donc rien de commercial, pour bien sûr célébrer les maternelles, c'est-à-dire nos mamans. Claudia Crissy sera avec nous également dans quelques instants. Voilà. En attendant de prendre des nouvelles fraîches de New York, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dombo, a.k.a. Merci, sur Live TV, la TNT Midi, c'est mon heure, les esprits. Allez, bienvenue. Attendez, faites quelque chose. Hein. Bienvenue. Amouké. Si tu bouquets quand on a les 6 de la tête, on va aller chop-chop avec bien sûr la première articulation de votre programme préféré de la mi-journée. C'est Willy à midi, lundi au vendredi, 11h30. Il arrive maintenant tout feu tout flamme pour la titrologie de Woyi, la une donc bien sûr de tous vos journaux. Voici Woyi. Woyi, est-ce que ça va? Tapez les gens chaud. Simani Woyi. Les informations, les journaux, à la une et l'expression, oh oh, le boudet, pas trembler, c'est censé allier, Aïcha, tremble, on va poursuivre avec le matin, oh oh, oh oh, la Côte d'Ivoire, les lits et pays pauvres, ni un pays endetté, voilà ça. Y'a déjà au pays, on doit faire pour nous seulement poua. Oui, on va poursuivre avec le patriote, la fièvre est montée, montée, la température est montée, poua, on dit, c'est partout. Allez-moi, c'est la drill, baisse, c'est la voix, belle, les mélodies, la gomme, salut, bonne, la gomme, c'est la qui va bonne, la vie, c'est la gomme, c'est la qui va bonne, la sagane, oui! Allez-moi, wa, et wa, wa! Allez-moi, wa, allez-moi, wa, allez-moi, wa, wa!
Dosé. Merci, Dosé. Oui. Merci, Wai. Oui, ça va? Ça va. Très bien. Comment ça se passe, la promo de ton nouveau son? Ouais, par la grâce de Dieu, ça monte en puissance. Super. Ça se passe bien. Ouais. On est déjà à 100 000 vues. Oui. Voilà. Ouais. Oui. C'est comme ça. Attends, il y a des dieux même là, 50 000 même encore. C'est non, Dieu. Non, vraiment, c'est Dieu, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu. Nous, n'hésitez surtout pas à aller regarder sur YouTube le clip de notre très cher Landry Blessing en feat avec De Bordeaux. De Bordeaux qui revient bientôt. De Bordeaux, oui. Donc c'est déjà le début même de De Bordeaux. Voilà, le donc début. C'est De Bordeaux, début du retour de De Bordeaux. Oui. Voilà, Landry Blessing De Bordeaux, c'est Wawa. Wawa. Allez, en Wawa, on va à la pub maintenant. Ma, bisous. Oui. À tout à l'heure. Yep. La famille, on est dans tout sur le plateau du WAP. Merci infiniment d'être avec nous. L'homme s'appelle Marco. De Bordeaux. Malade, danse doucement. Je te jure, hein. Il saute. Ah, voisin. On fait du bruit pour voisin, Puma. Et la famille, on enchaîne maintenant avec la vidéo du jour. C'est le challenge donc, du moment sur TikTok. Et notre star se devait de relever le défi. Voici pour vous les tcha-tcha-ri-tcha de Jolie Amina. On regarde. Jolie Amina! Ouais, t'as tué, non, t'as tué, y'a pas l'homme pour toi. Tout le reste, là, c'est zéro. Bravo, Jolie Amina. Non, mais franchement, Jolie Amina est magnifique, c'est une très belle fille. Franchement, on fait du bruit aussi pour Jolie Amina. Et puis pour. Voilà pour Saoma. On voilà. Va saluer, on va faire comment, pourquoi? Oura Véronique. Oura Véronique. Voilà, c'est, Oura, c'est Véronique. Le jeu magique. Voilà. Allez, voilà. La famille, on poursuit maintenant avec les pépites, go. Pépite 1, hé, hey, la Choco. Garçon de Coco dit, c'est son gardien qui se charge de ses ruptures amoureuses. Hey. C'est là, tu entends, non? Le boss dit de ne plus te laisser rentrer. Oh. Hey. C'est vrai, hein? Garçon de Coco dit. Mais je suis venu voir mon chéri, le boss dit de ne plus te laisser rentrer. Mais attends, Vigile qui a parlé là, il n'a même pas de taureau sur lui-même pour manger. Pépite 2, un service propre. Les vacances approchent. Les élèves qui ont besoin de parents pour récupérer leur bulletin à l'école, nous sommes en promo, 2000 francs. En bonus, fais semblant de te frapper, 5000. Et puis, le super bonus, si tu veux qu'on falsifie aussi ton relevé de notes, c'est 20 000. Après, on va laisser. Le travail est propre. Bah, vous avez compris, non? Comme vous n'aimez pas étudier là, c'est bêtise seulement, vous voulez faire. Pépite 3, hé, hey, Yako. La vie qui est là, hein? Vaut mieux un, mieux vaut que un, vaut mieux qu'un, vaut mieux plus que mieux vaut. Bah, ça, c'est quoi ça, là? Vraiment? Non, vaut mieux, vaut vieux, bien vieux vaut. Mais ça, là, si c'est pas chômage, enfant de l'homme peut pas prendre son temps. Enfant de l'homme peut pas prendre son temps pour écrire des choses comme ça. Vraiment? Pépite 4, hé! Hey! Un ami a acheté choukouya à Djamé. Arrivé à la maison, il ouvre sa chaîne de choukouya là. C'est clac-clac qui est dedans. Pépite 5, c'est qui? Qui le reconnaît? C'est Didi Bé, non?
Tu as vu comment Didi B était avant? En ce temps-là, on l'appelait simplement Didi. Ouais. Le B là n'était pas encore arrivé dessus. Parce que B là, ça signifie business. Donc en ce temps, on l'appelait Didi. Mais vous avez vu comment il est? Ouais. Si toi tu vois ça, que toi tu as abandonné, c'est ton ta problème. Vie champion. Tu vas abandonner. C'est ta vie champion. C'est ta vie champion. Ouais. Et le petit qui est venu me dessiner dans mon avant là. Faut chercher une photo ça là, il va t'envoyer, toi faire la même chose aussi pour Didi B. Vous avez vu, non? Aujourd'hui, là, il remplit les salles partout dans le monde entier. Tu ne veux pas persévérer et puis tu abandonnes. C'est ton problème. Nous, on est là. Allez, on enchaîne avec l'info buzz, go. OK. Tout ceci là, le Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes hier, mardi 14 mai 2024. C'est le rendez-vous de la littérature et de la culture par excellence. Allez-y massivement en famille, avec les enfants, avec des amis, c'est super important. Vous pourrez y retrouver notre confrère Cheikh Ivan, auteur de l'œuvre catastrophique, qui est en dédicace depuis hier au stand de l'éditeur Les Classiques Ivoiriens, mention spéciale également. Il est aussi en dédicace donc aujourd'hui, hein, donc tout à l'heure. Faites-y un tour, c'est à partir entre 11h et puis 13h, donc faites-y un tour maintenant. Et puis également à l'actrice aussi et animatrice Kadi Touré, qui vient de lancer officiellement son livre « Transforme tes rêves en succès ». Et puis une dame au grand talent, notre sœur à nous, Charlène Danon, avec son livre « Il y a un Dieu pour les cons ». Elle est actuellement aussi là et sera certainement avec nous sur ce plateau-là la semaine prochaine. Force aux auteurs ivoiriens et vive le SILA, vive la lecture en Côte d'Ivoire. On poursuit avec le classement Boomplay. Comme il est de coutume, Boomplay publie régulièrement le classement des hits les plus téléchargés et écoutés sur sa plateforme. Boomplay vient de révéler donc ses charts pour la période d'avril à mai 2024. La structure a révélé que ce classement était basé sur les streams Boomplay en Côte d'Ivoire et qu'ils étaient pris en compte par le Billboard. Donc voici le fameux classement qui se décline sous la forme d'un top 10. Ah, voilà. Donc à la 10e place, on retrouve Ninho avec son album Réfé, 9e, l'album Poison ou Antidote de Dadju. Fally Ipupa est à la 8e place avec Tokos 2. Tokos 2, voilà. La Mélo et Gangs de Gazo occupent donc la 7e place. Ninho revient à la 6e place avec l'album Mills 3, ou si vous voulez M-I-L-S 3. Ninho est encore 5e, cette fois avec l'opus N.I. Dadju et Tyke sont 4e grâce à l'album Héritage. Ninho revient à la 3e place avec Destin. Fally Ipupa est 2e avec l'album Formule 7. Et à la tête de ce top 10-là, on retrouve l'Ivoirienne Roselyne Nayo avec son album Élu de Dieu. Bravo à Roselyne Nayo pour cette belle performance-là et félicitations à tous ces artistes-là de ce top 10-là. Merci surtout à Top, Boomplay, voilà, et pour leur important apport à l'évolution donc de la musique en Côte d'Ivoire. Willy, il faut que tu rappelles aux gens l'importance du streaming pour nos artistes. Il faut qu'ils aillent streamer. On le dit toujours, moi je suis fatigué de dire. Voilà. Parce que le classement est basé sur les streams en Côte d'Ivoire, mais il y a un seul artiste ivoirien, c'est Roselyne Nayo. Oui, mais est-ce que toi-même tu as streamé l'album? Non, oui, on streame. Non, est-ce que tu as streamé? Moi je stream. Tu as streamé l'album ça là. Oui, on est dans une émission. Bon, avant de revenir parler, il faut aller streamer déjà, et puis tu présentes, et puis après maintenant ils vont tous faire. Sinon, c'est important de streamer. Moi j'ai streamé l'album. C'est pas payé, c'est ma soeur que j'ai pas streamé. J'ai streamé l'album. Et puis, sur toutes les plateformes légales de téléchargement, c'est important de streamer. Donc, tu as streamé un seul album? Non, je stream tous les albums en tout cas. Tu fais comme moi, et tu me connais. Tu sais que même quand quelqu'un a son concert, il ne va pas là-bas pour montrer mon visage pour dire que non, je suis Willy Dumbo. Non, tu j'achète des tickets. Oui. Voilà, c'est important. Soutenons-nous, c'est très important. Très, très important. Merci. Voilà. Alors, on enchaîne avec l'agenda, go. Dans mon agenda, on parle de Pentecôte Jeune 2024, grand rassemblement chrétien des jeunes organisé par l'apostolat catholique d'évangélisation Lumière des Nations. Le thème, c'est « Cœur embrasé, vie renouvelée par le Saint-Esprit ». Venez vivre une expérience unique avec le Saint-Esprit ce dimanche 19 et lundi 20 mai au petit terrain d'Abobo en face du Centre Nazareth. Entrée totalement gratuite. Toujours dans mon agenda, on parle à présent de Brunch Auto Meet. Bienvenue à la première édition du Brunch Auto Meet. C'est le 19 mai chez Supercart Abidjan. Ça va se dérouler donc, ce sera un grand rassemblement automoto. Au programme donc, exposition de véhicules, brunch, un show de rallye, un show de moto suivi d'un numéro d'illusion et beaucoup de choses encore au programme. Il y a surtout aussi du networking. Venez profiter du moment et passer une journée inoubliable au Brunch Auto Meet. Ticket en vente chez Supercart Abidjan, Infoline 07 79 38 72 66. 07 79
38 72 66 ou 07 78 18 43. Ou encore, je reprends le premier numéro, 07 79 38 72 66. 07 79 38 72 66. On parle toujours dans mon agenda, cette fois-ci, d'une nuit au musée. Vivez une expérience culturelle nocturne avec une nuit au musée. Une nuit au musée, c'est bien sûr un événement organisé en collaboration avec le Musée des civilisations du Plateau à l'occasion de la Journée internationale des musées célébrée le 18 mai prochain. Au programme, visite nocturne, performances artistiques et des jeux concours. Rendez-vous le samedi 18 mai 2024 au Musée des civilisations du Plateau à partir de 19h. Dans mon agenda, cette fois-ci, on parle du grand concert de Guy Christ Israël. Ce concert-là sera le gros événement du mois de juin pour la musique chrétienne. Le chanteur Guy Christ Israël sera sur la mythique scène du Sofitel Hôtel Ivoire pour la toute première fois. Après avoir rempli plusieurs fois donc, le Palais de la Culture, il vient pour la toute première fois au Sofitel Hôtel Ivoire. Donc c'est un événement inédit et unique le dimanche 9 juin pour un show exceptionnel, un live inédit pour la toute première fois, comme je le disais, à l'Hôtel Ivoire au Sofitel, en plus de 15 ans de carrière. Donc les tickets sont disponibles au prix de 30 000, 50 000 et 100 000 francs CFA. Ne ratez surtout pas ce concert hors norme-là, le dimanche 9 juin à partir de 16h. Infoline 07 48 24 76 08 07 48 24 76 08. Allez, dans mon agenda, on parle maintenant de la nuit de débordement. Le ministère Message de vie de l'apôtre Mohamed Sanogo a 25 ans. Donc, dans le cadre des festivités marquant ces 25 années d'existence, là, le ministère Message de vie vous invite pour la toute première fois à Abidjan au tour 931. Ce sera au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny le vendredi 17 mai 2024 à partir de 20h pile. Vous êtes tous attendus au stade de l'université pour marquer un point d'honneur à l'Éternel et lui dire merci. Avec la présence effective du révérend docteur Steve Mensah du Ghana, de l'apôtre Kinde Williams de l'Italie et de l'apôtre Mohamed Sanogo, pasteur Hotz. Message de vie, ramenons le cœur des nations à Christ. Alors aujourd'hui c'est mercredi et la question qu'on se pose sous les mercredis, bien sûr à ce moment précis là, c'est tu manges quoi ce midi là? Ben aujourd'hui c'est un plat de pintade fondante au cajou. Voilà. Manger ce que vous connaissez, c'est accompagné d'un riz au tamarin. C'est le délice que nous propose Fabrice Indé aujourd'hui. On le suit ensemble dans Tu manges quoi ce midi? Bonjour à tous, content de vous retrouver encore ce mercredi. Alors aujourd'hui midi, je vous emmène déguster une découverte culinaire à base de pintade et de tamarin. Si habituellement on consomme le tamarin qu'on appelle chez nous Tommy sous forme de jus, aujourd'hui on va l'utiliser en cuisine. Et je vous assure que ça donnera quelque chose d'esquis. On y va. Aujourd'hui, je t'invite à manger. Je passe, je suis avec mon frère. Je s'il te plaît. Jusqu'à nous rejoindre. Hein. Ouais. En plus, il est plus grand que nous deux en taille. Hein. Comment ça va, Judikael? Ben, ça va super bien. Hein. Super. Bonne arrivée déjà chez nous. C'est mon ami, c'est mon frère. Ça fait des années que je le côtoie. Je suis très content, très fier de savoir qu'aujourd'hui, il excelle vraiment dans quelque chose qu'il a fait depuis longtemps. Écoutez, trêve de bavardage. On va maintenant entrer en cuisine et puis commencer les choses sérieuses. Ouais. Aujourd'hui, nous avons la pintade fondante au cajun et au basilic, des poireaux sautés et du riz. D'accord. Au tamarin. Nous avons forcément besoin de notre pintade, du jus de tamarin, des poireaux, du basilic, poivre, de l'oignon, du cajun. Ça, c'est du cajun? À quoi est-ce que ça va servir dans notre recette? D'abord, il faut dire que le cajun est originaire des États-Unis, précisément de l'État de la Louisiane. C'est ce qui va nous permettre d'assaisonner comme il se doit notre pintade et de lui donner de bons arômes. Déjà, on cuit les pintades à de l'eau. Assaisonné bien sûr avec du cajun, de l'ail, de l'oignon, du laurier, du sel et du poivre. De l'autre côté, on va couper en rondelles nos poireaux, les faire suyer avec du gingembre et de l'huile végétale. Et pour terminer, on cuit notre riz avec du jus de tamarin qu'on va aussi assaisonner. Faut me laisser, pour en arriver là, j'ai dû bosser. Il y a 3 ans, j'étais dans un fossé, je chantais juste pour m'amuser. J'ai du tempérament, tu dis que je me la raconte. C'est au tour du riz d'être cuit maintenant, donc on va le faire d'une manière assez spéciale. Là, on a notre huile, on a nos oignons qui sont à l'intérieur, ouais, qu'on a laissé caraméliser. Effectivement, nous, on va rajouter le jus du tamarin, ce qui va servir de cuire notre riz. D'accord. À la place de l'eau, c'est du jus du tamarin. Posé, je suis sous Jack, comme en bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. Elle m'a pas follow, pas quand je les follow. J'essaie de mettre toujours en rendez-vous une cuisine fusion. Partie des produits locaux pour atterrir sur d'autres cieux ou
faire des harmonies de saveur. Nous le savons, le tamarin est subsaharien, le thomi, nous le buvons tous les jours et le riz, c'est dans nos habitudes alimentaires. Donc, ce brassage que j'ai voulu donner en inventant, en recréant ce plat. Tu peux allumer les gravons, les anciens, la chaîne est alimentée. Alors Fabrice, notre plat du jour est prêt. Je pense qu'on pourra passer à la dégustation. Ouais, la dégustation, la meilleure partie du reportage. C'est super bon en tout cas. Bien épicé, c'est bien assaisonné. Et puis bon, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de manger, mais en tout cas, c'est vraiment bien fait. Ouais, ouais, franchement, c'est bien fait. On dit 8 sur 10. Ouais. D'accord, moi aussi, je vais aller dans ton sens. 8 sur 10. C'est un grand cuisinier et chaque année par saison, il organise un événement qui s'appelle le buffet by Landry Blo. Le buffet by Landry Blo, c'est une messe gastronomique et culinaire qui a les goûts et saveurs venus d'horizons divers. Franchement, avec Landry, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours de nouvelles créations et c'est ce qui fait ta particularité. Et c'est justement ce que nous avons dans nos assiettes et que nous sommes en train de consommer ici. J'espère que vous avez bien pris note et puis nous, on va vous dire au revoir. On continue de manger et puis on espère que vous avez repris la recette chez vous. Bye bye. Merci, merci infiniment Poutou. Bravo. Allez, on vous invite donc à reprendre cette petite recette-là chez vous aussi à la maison. Allez, celle qui va venir est une femme de médias qui est à la tête d'un gros événement. Elle vient nous parler du gala des maternelles, un gala entièrement gratuit pour honorer nos mamans à la veille donc de la célébration de la fête des mères. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Claudia Christy. Claudia Christy qui est avec nous. À quoi va Claudia? Comment ça va? À quoi va? Bienvenue. Merci infiniment. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci. Merci. À quoi, mesdames, comment ça va? Ça va très bien. Alors, Claudia Christy qui est accompagnée donc de... Son assistante. De Désirée Conné, mon assistante. Désirée Conné, d'accord, très bien. On sait tous, hein, Claudia Christy est une femme de médias émérite, auteure aussi donc d'un ouvrage ou déjà... De deux ouvrages. De deux ouvrages, ouais. Je pense que ça s'applaudit déjà, s'il vous plaît. Et elle a eu à cœur de célébrer gracieusement toutes les mamans à travers le gala des maternelles. D'où est venue cette idée-là déjà? Et c'est quoi le gala des maternelles? Alors Willy, le gala des maternelles, eh bien, c'est cette soirée féminine d'exception, ouais. Mais taillée sur mesure effectivement pour célébrer et surtout pour honorer toutes ces mères qui sont durement éprouvées, ouais, par la maladie ou le handicap grave d'un enfant. Je pense que ces femmes-là, ce sont des mères extraordinaires. Très bien. Et voilà, qui consacrent leur vie, qui consacrent leur temps, qui consacrent toute leur journée à prendre soin effectivement de leurs enfants à besoins spéciaux. Et je pense qu'il était important de marquer un arrêt pour dire à ces femmes-là... Pour les honorer. Pour les honorer, c'était très important. Franchement, je pense que c'est au-delà d'un simple événement, je pense que aussi quand même c'est une sorte de sacerdoce, parce que honorer gracieusement toutes ces mamans-là, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, que Claudia et puis son assistante ne connaissent pas, franchement, ça dénote d'une mission divine, n'est-ce pas? Hein? C'est pratiquement une mission divine, au fait. Oui, bien sûr, ouais. C'est ça. C'est cela. C'est pratiquement une mission divine, je veux dire... je le fais aussi parce que moi aussi, j'ai été, on va dire, un tout petit peu dans cette situation. Très bien, très bien. J'ai eu à m'occuper d'un proche malade. Ouais. Donc, je pense que je connais plus ou moins un peu la difficulté, le poids moral, la souffrance physique qu'on peut justement porter quand on s'occupe d'une personne autiste ou d'une personne aussi qui est dans les difficultés. Justement, à notre sœur qui est l'assistante, je sais qu'elle connaît plus ou moins aussi donc, le programme. On aura droit... on va célébrer combien de femmes ce jour-là? On va célébrer 5 femmes. 5 femmes, 5 mères donc, qui viennent de quelle classe sociale, au fait, on va dire? Faut dire que ces mamans sont vraiment pas... je peux dire... Elles sont en situation difficultés, au fait, qu'elles vivent. Elles sont démunies. Très bien. Voilà, donc bien. Elles ont vraiment besoin d'aide. Ouais. Voilà. Et parmi elles, il y a une aussi qui est un peu... Malade aussi. Malade. Très bien. Donc là... Très bien. Oui, Claudia. Et justement, pour ajouter à ce qu'elle dit, nous aurons à célébrer 5 mamans cette année. D'accord. 5 mamans pour la première édition. Nous avons 4 mamans qui nous viennent de la Côte d'Ivoire et nous en avons une qui nous vient du Cameroun. Alors effectivement, ces mères-là, le point commun qu'elles ont, c'est qu'elles ont chacune un enfant qui est malade. Malheureusement, des enfants qui sont totalement dépendants de leur maman, qui sont totalement dépendants de leurs parents. Et quand on rencontre ces femmes-là, la première chose qui nous frappe à l'esprit tout de suite, eh bien, c'est la détresse, c'est la fatigue, c'est l'épuisement. Et... C'est des mamans de presque toutes les couches sociales. Il y a une vraie détresse qu'on rencontre lorsqu'on va visiter ces femmes-là. Et ce jour-là, c'est pour leur dire, écoutez, on connaît le poids que vous portez au quotidien, on connaît la souffrance qui est la vôtre depuis tout ce temps-là,
Mais aujourd'hui, on a envie que vous marquiez un arrêt. Pour essuyer vos larmes. Parce qu'on a envie de vous célébrer, vous, et de vous dire que vous êtes toujours vous, en train de prendre soin de vos enfants. Mais aujourd'hui, on est là pour vous dire que nous aussi, on pense à vous et c'est vous qu'on veut célébrer parce que vous le méritez. Très, très belle initiative. Justement, ce qu'on va faire, on va même regarder donc là maintenant un extrait, puisqu'il y a des capsules, je le disais tantôt, et les femmes de médias, donc il y a une capsule, des capsules qui sont aussi confectionnées, donc bien sûr, donc, pour honorer ces mamans-là, pour expliquer un peu leur vie. On a justement une petite capsule ici d'une des, de ces mamans-là que l'équipe ici de production a choisi parmi tant de capsules. Parce que toutes les capsules vraiment touchent le cœur, mais celle-là a doublement aussi touché le cœur de l'équipe de production. Regardez un extrait. C'est pas évident pour moi, parce que c'était mon rêve. Quand elle est née, j'étais contente parce que je me dis, je me suis occupée des enfants jusqu'à aujourd'hui. Moi aussi, pour moi, elle va m'appeler maman. Et quand j'ai découvert son handicap, vraiment, je me suis dit, mais comment je peux mettre un enfant au monde qui ne va jamais m'appeler maman? Et ça me faisait vraiment mal. Et je sais que beaucoup parmi vous ont essayé de retenir aussi leurs larmes. Cette dame-là, par exemple, parmi tant d'autres aussi, sera bien sûr à cette soirée-là. Exactement. Et elle sera aussi honorée, récompensée. C'est clair qu'ici, on ne va pas spoiler le programme, quand je parle de programme, de ce qu'elles vont recevoir chacune. Mais c'est clair que le minimum sera fait pour que ces dernières-là soient vraiment honorées. Soient vraiment honorées, qu'elles soufflent un tout petit peu et puis qu'elles sentent effectivement qu'on a pensé à les faire briller cette soirée-là. Donc, c'est une soirée gala. Donc, Willy, évidemment. Ouais. Il y aura de l'animation. C'est cela, effectivement. Donc, comme je l'ai dit au tout départ, c'est une soirée taillée sur mesure. Mm-hmm. On aura de l'animation, on aura un buffet, on aura de la musique. Des cadeaux aussi pour ces mamans. On aura des cadeaux, on aura des lots. Et on aura tout ce qu'il faut, effectivement, pour réussir en fait, ce gars-là, pour qu'il reste inoubliable dans l'esprit de ces mamans-là et qu'il les marque à vie. Parce qu'effectivement, on célèbre des mamans, mais il y en a au fait aussi à cause de ce genre de situation-là qui n'arrivent pas à avoir un cadeau parce que leurs enfants, bien sûr, souffrent d'une déficience ou peut-être d'une malformation ou souffrent, sont autistes ou sont malades. Et vraiment, je pense qu'il était important aussi que vous puissiez marquer un arrêt aussi, vous aussi en tant que mère, bien sûr, pour honorer ces mamans-là dont les enfants ne peuvent même pas dire « Maman, je t'aime. Maman, voici un cadeau. » Je pense que ça peut dire ça. Vraiment, merci. Les photos des mamans, pendant que les photos des mamans vont défiler ici, ça aura lieu exactement où? Et quand? On va voir les photos des mamans défiler ici à tour de... Voilà, donc là, nous avons la première maternelle, maman Ella Séverine Taïkman. D'accord. La deuxième, maman Akpagni Antoinette, celle dont on vient de voir la vidéo tout à l'heure. Nous avons également la troisième maternelle, maman Mariam Kone. Ouais. Nous avons la quatrième maternelle, maman Akalidi. Et la dernière qui nous vient du Cameroun, maman Hortense Makou. C'est cela. Alors, cet événement aura lieu exactement dans à peu près une semaine, donc le 25 mai. Le 25 mai, donc la veille de la fête des mères. Je pense que c'est un très beau cadeau pour ces mamans-là, parce que c'est la veille de la fête des mères, justement. Mmh. Et puis, il va se faire dans le plus beau des villages ébriés de la Côte d'Ivoire, à Abobo Baoulé, la superbe salle de spectacle là-bas. Franchement. La salle nous a été offerte. On salue toute la chefferie d'Abobo Baoulé, franchement, parce qu'ils abattent aussi un travail remarquable. Merci infiniment. Et donc, ce sera là-bas à partir de quelle heure? Ça sera là-bas à partir de 19h. 19h, très bien. À partir de 19h, le dress code, c'est un gala, donc évidemment, il faut être chic. C'est cela, chic, donc... et puis être accompagné aussi, bien sûr, bien accompagné. Justement, est-ce que vous, en ce moment-là, je sais qu'on est pratiquement à 70% pour rester humble du téléchargement, mais il y a forcément un message à passer à des mécènes, à aussi des bénévoles qui souhaiteraient, bien sûr, aussi vous aider, vous accompagner, bien sûr, dans cette mission-là. Moi, je ne pense pas que ce soit un simple événement, mais c'est aussi une mission. Vous allez regarder la caméra en face de vous, la numéro 5, et vous allez parler donc et passer un message à toutes ces personnes-là qui pourraient bien sûr vous joindre en donnant bien sûr aussi le numéro de téléphone et venir pourquoi pas vous aider aussi bien sûr à honorer ces mamans-là. Absolument. Alors le gala des maternelles est bien, c'est cette soirée comme je l'ai dit pour honorer ces mères-là parce qu'elles abattent un travail exceptionnel, extraordinaire. Et c'est vrai, on n'a peut-être pas nous la capacité justement de guérir les pathologies que ces enfants-là portent, mais ce qu'on peut faire, c'est pouvoir marquer un arrêt afin que ces mamans-là se sentent un tout petit peu revivre. Ouais. T'as envie de donner de la joie, t'as envie de donner du sourire à l'une de ces mères-là, c'est encore possible. L'événement se tient le 25 mai, mais il y a encore quelques jours qui restent. Alors si t'as envie de
toi aussi d'apporter ta pierre à l'édifice afin justement de bâtir cet amour, cet arbre de fraternité et d'amour autour de ces mères-là. Mmh. Tu seras le bienvenu, le contact, le 05 84 91 57 78. On va le reprendre, voilà. 05 ouais. 84 91 57 78. Ouais, une dernière fois. C'est 05. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vite la dégaine facile. 05 84 ouais. 91 57 78. Très bien. Et voilà, donc si vous avez en tout cas envie de, d'apporter un coup d'accélérateur, un coup de pouce, vous serez les bienvenus mmh. et ces mamans-là seront les plus heureuses. On vous en attend. En tout cas, vive le gala des maternelles. Que Dieu vous accompagne aussi, bien sûr, dans cette mission-là. Merci, merci infiniment, mesdames, d'être passées. On va les applaudir encore très fort, c'est s'il vous plaît. Nous, on va marquer une pause. Et puis, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. À tout à l'heure. Yep, la famille, on a déjà de retour sur le plateau de WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Allez, vous suivez WAM. Celui qui arrive a une voix incroyable et une présence super agréable. C'est un pur talent du rap ivoire qui arrive maintenant. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour le jeune et excellent Maro. Maro qui est avec nous. Merci infiniment. Merci à Kwaba. On va s'asseoir, Maro. Merci. Merci. Allez, la famille Maro est avec nous. On va l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Allez, Maro, pour te dire à Kwaba, on va regarder une compile. Let's go. Avec Maro. Maro Akwaba, merci infiniment d'être là. Ça va? Ça va, super bien. Super. Le jeune Maro, une voix hors du commun. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce que tu manges pour que ta voix soit... on ne sait pas, mais franchement, je vous demande encore de l'ovationner très fort. Moi, j'ai une chanson, franchement, qui est mon gros coup de cœur et ce serait vraiment un crime de lèse-majesté que tu ne la joues pas. Parce que quand on fait de la télé, on se fait plaisir d'abord pour faire plaisir aussi aux autres. C'est Aller, c'est une chanson qui parle de quoi? Bon, plus de moi en fait. De toi. Voilà, d'accord. De non, c'est toi seul au fait. Non, c'est moi, tu vois, il transmet, si tu veux, ce que tu reçois. Vécu, ça va te prendre. D'accord, c'est ça marche. Et c'est ce qu'on va écouter maintenant, 5, 4, 3, 2, 1, mesdames et messieurs, voici Maro. Allez, go! Pour le prince de Kouparia, c'est Maro. Si c'est pas ça, c'est zéro, je sors grouillé. Ce monde est méchant, les gens sont méchants. Personne suit qui compte, vraiment tout est méchant. A tout la coque, moi j'ai quel âge, oh. Pour vivre tout ça, non mien, moi j'ai quel âge, oh. Je suis pas ton fils ou bien pour voir mon carreau. Je suis pas paresseux, au Seigneur pour voir mon carreau. Allez, 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 je sais que ça va aller. Il m'a pas oublié. Allez, 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 je sais que ça va aller. Il m'a pas oublié. Je ne peux plus réguler, de toute façon je suis déjà né. Personne pourra me fermer à la caca caban. Je suis parmi les VIP, le bon Dieu a déjà écrit. Je dois rester positif, on serait nos meilleurs au gami. A tout l'accord, moi j'ai quel âge, oh. Moi j'ai quel âge, je suis pas ton fils ou bien pour voir mon carreau. Je suis pas paresseux, au Seigneur pour voir mon carreau.
Magnifique chanson, je vous demande de va sonner encore très fort, Maro, s'il vous plaît. Maro, cette chanson-là, elle est magnifique. Franchement, pour moi, c'est l'une de tes meilleures aussi, hormis, bien sûr, celle qui t'a lancé Allo Police et autres. Plus de 3 millions de vues sur YouTube, c'est pas rien pour un jeune qui a cette magnifique carrière-là. Maro, aujourd'hui, comment ça se passe pour toi? Est-ce que ça se passe bien comme tu l'as toujours souhaité ou bien il y a encore des choses que tu attends? Comme on le souhaite, c'est vraiment un top, top niveau. Ouais. Et donc, c'est pas encore arrivé, mais si, si. Je suis mon chemin, en fait. C'est ça. Et tout. Et pour moi, je fais un bon parcours, en fait. Très bien. Et tout. En tout cas, ton parcours, il est bon, franchement. Je vais demander donc à Abou. Abou, je vous demande de faire du bruit déjà pour Abou Dougouno. Merci. Abou, je souhaiterais vivement, c'est clair que là, c'est improvisé. On va caler donc un pied de micro avec, bien sûr, merci Abou. Abou, il pense à tout. Franchement, il est fort, Abou. Oh là là, Abou. Abou! Abou! Allez, on aura le pied de micro, bien sûr, tout à l'heure avec une chaise. Voilà. Abou, il est fort, Abou! Allez, la famille, les meilleures improvisations se préparent toujours, retenez-le, c'est très important. Alors, Maro, aujourd'hui, tu sors une nouvelle chanson baptisée Femme Claire. Femme Claire. Il y a quoi? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est plus dans le jargon, il ne voit rien, quoi. Sinon, c'est rien d'été. Tu as eu problème avec Femme Claire? Qui ça? Toi. Moi. Ouais. Non. Bien sûr. Bon, garde tes esprits. Qui dit ou bien poser tes génies. Ils ont raison aussi de dire... On va regarder donc l'extrait officiellement donc de cette magnifique vidéo-là, okay. du single Femme Claire. Et puis on revient, tu vas nous dire pourquoi tu as fait cette chanson-là. Regarde l'extrait. Je pourrais jamais gâter ton nom partout. T'étais bien, t'avais tous les atouts. On m'a dit tout laisse, mais je me suis forcée à ne pas y croire. Trop d'épreuves qu'on a su monter. Je suis jalouse, c'est ma façon d'aimer. J'essaye, je dis pas contre elle. Mais entre nous, c'était jusqu'à la gare. Et ta passion a pris le dessus. J'avoue que tu m'as déçu. Malgré tout ce qui a été dit, je suis restée, tu m'as convaincue. Maintenant je suis là. Tu m'as repoussée de tes bras. Affichée sur la toile que c'était fini entre nous. T'as mis beurre dans mes yeux, maman. T'as mis beurre dans mes yeux. Je m'imaginais pas de nous deux. Ça allait finir comme ça, non, non. J'ai mis beurre dans mes yeux, maman. J'ai mis beurre dans mes yeux. Magnifique clip. Qui c'est qui est le réalisateur de cette vidéo-là? Steven Aoku. Steven Aoku. Franchement, Steven Aoku, c'est un garçon excellent. Son travail est formidable. Je vous demande de lui apporter beaucoup d'applaudissements. Alors, maintenant, dis-nous. Elle a fait quoi? Elle a mis beurre dans tes yeux. Elle s'appelle comment? Elle est où? Dis-nous. Voilà, non, c'est, deux c'est, mots. C'est plus une expression. C'est une histoire, tu vois. D'accord. Qui a vécu ça? Ton ami? Ouais, c'est vraiment mon ami. Quand il y a un truc qui nous touche, on dit c'est mon ami qui a vécu ça. Et d'accord, ton ami s'appelle comment? Mara? Hein? Mara? Non, moi, je ne connais pas trop son nom. Ah, d'accord, mais c'est un ami. C'est un ami. Donc, tu ne connais pas le nom. Très bien, c'est bien. On m'a expliqué faut son nous histoire. Respecter. Ouais. En fait, c'est du vécu, en vrai. C'est du vécu, d'accord. Mais pas le tien. Hein? Pas le tien. Bon, il n'y a pas moitié aussi. Hein. Il n'y a pas moitié aussi. Un peu de toi aussi. Voilà, quand d'accord. même. Donc, du coup, depuis lors, est-ce que tu aimes les femmes claires? Moi, il n'y a aucun problème avec les femmes claires. Mais celle-là, elle est restée dans ta tête. En fait. Qui dit là-bas? Elle est restée gravée dans ta tête, au fait. Qui ça? Là, celle-là. Qui? Cette femme claire-là. Celle qui est dans le clivage. Celle qui est couche, ouais. Dans non, la vraie elle, vie. C'est l'actrice. En fait. Mais dans la vraie vie. Non, dans la vraie vie, quoi? Dans la vraie vie. Elle a fait quoi? Tu as dit, elle a mis beurre dans tes yeux. Ah, oui? Oui, en quelque sorte. Donc, tu es toujours fan d'elle? Quand un garçon dit comme ça, c'est non, qu'il y a un peu. Non, en fait. Ouais. En fait. C'est comme si tu m'as pris un peu au dépourvu. Non, fait, t'as pas pris au dépourvu, hein? Si, si. Non? Donc, mais chacun doit dire d'où est sortie l'inspiration d'une chanson. Non, toi, ton inspiration, non, c'est d'une fille, mais c'est pas toi-même, c'est quelqu'un qui t'a expliqué. Non, en vrai, c'est de moi. Ah, c'est de toi, voilà. Ah, on passe pour la face. C'est de moi ouais. Et tout, mais c'est du passé, en fait. C'est du vois. Passé. Mais tu as chanté ça, passé la dernière fois, tu t'es rappelé de ça, ça t'a fait mal. Quand même. Quand en même. Fait. D'accord. Et tout. La chanson est sortie depuis quand exactement? Depuis en février. Février, d'accord. Mais là, elle est pratiquement bientôt à 1 million de vues. Oui. Parce que ça a dépassé déjà les 600 000, 700 000 vues. Je pense que ça applaudit déjà, s'il vous plaît. Donc, poussons toujours de sorte à atteindre le million. Allez, justement, tu vas nous offrir une version acoustique ouais. de cette chanson-là maintenant. C'est inédit. Habituellement, tu fais des versions bien, trucs, mais voilà. Là, aujourd'hui, c'est une version acoustique. C'est plus pour... Piano, ouais. Pour mettre
les gens dans l'émotion, en fait, si, si. Tu vois, parce que c'est pas seulement mon vécu que j'ai raconté, il y a plusieurs personnes qui se sentent dans les dedans, si, en fait. Si, si. Et tout. Et pour moi, c'est la plus belle façon pour moi de vraiment dégager ça, en fait. C'est cela. Et puis aussi de permettre aussi à ces personnes aussi d'oublier ça. On a tous été victimes au moins dans notre vie une fois d'une femme claire. Si, si, on a tous été, moi en particulier. Si. Abou, viens s'il te plaît. Et, mais c'est pas grave, je salue toutes les femmes claires du studio. Applaudissez-vous pour ce que vous avez fait. On dit les femmes claires. Allez, mesdames et messieurs, je vais vous permettre de découvrir en totale exclusivité la version acoustique, bien sûr, donc, de cette chanson-là. Le titre, c'est Femmes claires. Et on va faire aussi du bruit, s'il vous plaît, pour l'excellent travail de lumière que fait notre génie. Il est fort. Découvrez Maro. Je pourrais jamais gâter ton bateau. T'étais bien, t'avais tous les atouts. On m'a dit tout laisse, mais je me suis forcée à ne pas y croire. Trop d'épreuves qu'on a surmontées. Je suis jalouse, c'est ma façon d'aimer. Et j'ai zaillé, j'ai pas contré. Mais entre nous, c'était jusqu'à la gare. Et ta passion a pris le dessus. Et j'avoue que tu m'as déçu. Malgré tout ce qui était dit, je suis restée, tu m'as convaincue. Maintenant, je suis là. Tu m'as repoussée de tes bras. Affichée sur la toile que c'était fini entre nous. Tu as mis peur dans mes yeux, maman. Tu as mis peur dans mes yeux. Je m'imaginais pas que nous deux, ça allait finir comme ça. Tu as mis peur dans mes yeux. Tu as mis peur dans mes yeux. Je m'imaginais pas que nous deux, ça allait finir comme ça. On a vécu pire que ça. Fais des trucs de fou. Toute la night, tu m'appelais ta vie, on parlait d'avenir, et c'était magnifique. Et tout ça, ça a changé. Pourquoi? Mais pourquoi t'as changé? Dis-moi quel épisode j'ai raté. Ma petite, dis-moi qui t'a calmé. Paye ta passion a pris le dessus. J'avoue que tu m'as déçu. Malgré tout ce qui était dit, je suis resté. Tu m'as convaincu. Maintenant, je suis là. Tu m'as repoussé de tes bras. Affiché sur la toile que c'était fini entre nous. Tu as mis peur dans mes yeux. Tu as mis peur dans mes yeux. Je m'imaginais pas oh, oh. Ça allait finir comme ça, non, non. Tu as mis peur dans mes yeux. Tu as mis peur dans mes yeux. Je m'imaginais pas que nous deux, ça allait finir comme ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je t'ai chargé. Je t'ai chargé sur mes réseaux. Je t'ai chargé à la maison. Devant ma maman, devant mon papa. Devant toute ma famille. Tu m'as fait croire comme ça, oh. Tu avais c'est la honte sur mon visage, oh. Maro, Maro, Maro. Maro, Maro, Maro. William, il dit oh, 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 oh. Je vous souhaite de trouver le meilleur amour parfait. Soyez bénis et puis annoncez. On fait du bruit pour Maro. Maro, respect mon gars. Respect. Alors, pour la petite info, merci de vous rasseoir. Pour la petite info, Maro, la version acoustique était déjà préparée en studio. Lui-même, il n'a pas compris. Ça devait être joué et puis il faisait du playback dessus. Mais je pense aussi que tout ce que Dieu fait est bon. Ça peut être un couac, mais un couac aujourd'hui qui vous a permis de voir ce que ce garçon-là, ce jeune homme-là, vaut véritablement en live. Franchement, Maro, respect. Moi-même, j'étais là-bas parce que tu n'as pas répété. Franchement, moi-même, il était dépassé. Quand il entend le piano, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais après, tout ce que Dieu fait, bon, aujourd'hui, il a permis de montrer aux gens ce que tu vaux. Et moi, j'ai toujours cru en ton talent. Merci. On va dire surtout merci. Merci aussi à Willy l'araignée qui a attrapé la chanson 2-3 mouvements. Willy, merci. Mes respects.
Habituellement, quand on prépare un live ou un semi-live, Willy a l'ascension au moins une heure avant et puis il attrape vite. Mais je ne sais pas dans quel coup. Willy n'a pas reçu la chanson, il l'a attrapé. Franchement, respect. Voilà. Vous voyez, c'est ça quand vous dites travailler en équipe là, c'est important. Il y a des automatismes qui se créent. Voilà, vous dites Willy, Willy, Willy. Ce n'est pas Willy qui est fort, hein. C'est ceux qui sont autour de lui là qui sont forts. Et puis voilà, vous mettez tout là. Bravo mon gars. Merci. Allez, Maro. Vraiment, merci infiniment. Est-ce que tu as un message à l'endroit de toutes ces personnes qui ont été blessées une fois en oui, amour? En tout cas, oui, franchement. Ouais. Ne soyez jamais débat, comme ouais. on le dit. Ne soyez jamais déçus. Si vous avez toujours d'amour à donner, continuez d'aimer, en fait. Ouais. Voilà, et tout. Et que Dieu veille sur vous. Tesla, amen. Merci infiniment. Merci. Merci, Maro. Et reviens nous voir quand tu veux. On va applaudir très fort, Maro, s'il vous plaît. Ouh. Allez, la famille. On va marquer une pause et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de WAM. Derrière, il y aura DJ, manager confirmé, et puis aussi un DJ que vous allez découvrir, DJ Souris. À tout à l'heure. Hop, on est de retour, la famille sur le plateau. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir de vous retrouver sur Live TV 6 du Bouquet, canal 6 de la TNT. Merci. Et il y a du beau monde ici aujourd'hui. Merci. Merci, merci. Allez. La famille, celui qui va arriver, c'est de manager, il est passé très vite à la coqueluche donc, de plusieurs personnes ici en matière de musique. Voilà, mais il a gardé quand même sa première identité, son premier travail, c'est-à-dire manager, parce que ça lui a porté chance. Mais il est confirmé aujourd'hui en tant qu'artiste, il n'est plus à présenter. Désormais, ses actions parlent pour lui, c'est son premier plateau télé depuis son voyage aux États-Unis d'Amérique. Il est arrivé hier et puis il est venu aujourd'hui maintenant. Les esprits, on reçoit s'il vous plaît le grand manager confirmé. À quoi va manager, comment ça va? Ça va bien? Manager. On s'assoit, manager. Hey! Yo. Merci. Manager, ça va? Ça va bien. Yeah, merci s'il vous plaît les amis, on va se calmer. Hein. Vous aurez aussi des visas pour partir un jour, t'es crête. Manager. Yeah. Ha, s'il vous plaît les amis, s'il vous plaît, merci. How are you? My friend. Quoi? My friend. My friend. Fine. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Nice to meet you, tu peux dire me too. Nice to meet you. Me too. Non, toi, me too. Ah oui, moi, me too. Yeah. Yeah. How's your day? Aujourd'hui, bon, ton séjour, comment ça s'est passé? Franchement, ça s'est passé très bien. Yeah. Là, on te voit devant la Maison Blanche. Yeah. Tu allais saluer Joe Biden. Yeah. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Joe Biden? Bon, j'ai vu Joe Biden, on a causé beaucoup. Je lui ai parlé de ici en Côte d'Ivoire. Yeah. On a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Mais dis-moi, parle-nous un peu. Quand tu es arrivé là-bas, tu étais en premier Gaou. Il y a des coins où tu es rentré, puis tu devais acheter quelque chose en anglais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis rentré dans un restaurant. D'accord. Comme je ne connais pas les dollars. C'est KSC? Ouais, KSC. Yeah. J'allais au KSC. Yeah. J'avais rendez-vous avec comme, le patron, le grand patron de KSC. De... Yeah. Bon, nos rendez-vous n'ont pas été trop... Bon, c'était un peu... Ouais. Donc, on ne s'est pas vu. D'accord. Donc, j'ai mangé KSC là-bas aussi. KSC, yeah. Voilà. D'accord. Et quand tu es arrivé dans le KSC, puisque tu n'as pas la monnaie, tu n'as pas de. Tu bon, j'ai pas donné le dollar. 20 dollars. Ils ne m'ont pas remis la monnaie. D'accord. Bon, je ne sais pas si. Bon, 20 mais dollars. Mais tu ne peux pas aussi demander la monnaie puisque je tu ne peux pas demander la monnaie parce que, bon, je ne sais pas, ils ne connaissent pas combien ils vont me donner. Donc, j'ai laissé ça là-bas. Alors. Madame, on te voit ici donc à Times Square, le célèbre Times Square. C'est une rue, franchement, c'est magnifique avec tous les gratte-ciel et autres. Yeah. Quand tu es arrivé là-bas, la première impression, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu dis waouh. Quand j'ai arrivé là-bas, je me suis retrouvé au paradis dans mes temps. Ouais. Parce que la manière dont les gens voient, c'est très, 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 très joli et puis c'est magnifique. Yeah. C'est pourquoi j'ai dit là-bas, c'est pas ici, ici, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Et tu es revenu avec le blouson, c'est clair que là-bas, il y avait une fraîcheur. Oui. Très il y a l'été qui est en train d'arriver, très fraîche. Ouais. Mais ici, il fait chaud. Ouais. Madame, là, t'es fort. Justement, qu'est-ce qui t'a manqué quand tu es parti? Ce qui m'a manqué là-bas. Ici. Bon, on peut dire. Mon foutu banane. Ah, je savais. Hé, Baoulé.
Bah, vous parler partout, mais ils s'en foutent tout là. Bon, foutu banane et guaguassu. Avec un peu à Gucci là. Ça m'a marqué. Mais il y a pas de, il y avait des restaurants forcément ivoiriens là-bas. Il y avait des restaurants français, mais restaurants ivoiriens. La nourriture des ivoiriens. D'accord. Là-bas, franchement, c'est pas la même chose. Bah, c'est pas la même chose. Ils payent le foutu là-bas, ils pipent. Ils mettent ça dans une machine. Ça devient mou comme ça. Alors que ici là, on pue pok 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 pok. Souvent même là. Le petit truc. Comment tu pues le foutu? Moi, j'ai plus photo. Tu cuisines? Je cuisine. Yeah, super, super, super. Ouais. C'est top, ça. Bravo, bravo. Alors, tu es parti avec le père Aziz 45. Ouais. Quels sont les États que tu as visités? Je suis allé à Washington. Washington. Et puis, je suis allé à l'autre État, là, on appelle ça comment? J'étais à New York. Bon, j'étais à New York. Ouais. Et puis, je suis allé à... là-bas, Maryland? Là. Non, pas là-bas. Elle est Los Angeles? Tu es à Los Angeles? Non. Texas? Okay. Ah, ciao. C'est ça. Repeat, manager, repeat after me, Texas. Texas, franchement, c'était joli. J'ai été invité par mon vieux Yoda, Yoda le bon, que bon, je ouais, salue ici. Humoriste à qui on fait un grand coucou aussi. Qui m'a vraiment, qui m'a permis que j'allais jouer boule. Les boules, on fait pas et puis c'est du gars brrr. Ouais. Quoi, Bia? C'est quoi, on tape plus. Golf. Golf ou bien billard? Non, golf là. Ou bien bowling? Non, ou les trucs sont blancs et puis ils sont arrêtés, on tape quoi. Bowling. Ah, bon, nous-mêmes, on ne sait pas si c'est bowling ou bien c'est payer le geste qu'il fait là. Il m'a permis, j'ai joué un peu. Bon, je suis allé au golf, mais je vois que bon, les enfants, ils ne savaient pas trop jouer, donc je l'ai laissé. Alors, mais est-ce que tu as aimé la nourriture américaine? Qu'est-ce que tu as mangé là-bas? Bon, ce que j'ai aimé, pain qu'on coupe au milieu, on met la salade dedans. tu veux parler de hamburger? Ah, hamburger, très bien, ça marche. Manager, ouais. Tu ne pars pas, reste avec nous. On a une découverte aussi pour toi. Assieds-toi bien. Okay. Aujourd'hui, là, c'est ta fête. Assieds-toi bien. Okay, okay. Voilà, tu n'as pas chaud, hein? Non, il n'y a pas chaud. Pourquoi? Bah, là-bas, il y avait climatisé cadeau. Donc, je te promène. Non. Donc, il va dire, t'es venu avec ça. D'accord, ça marche. Allez, celui qui va venir maintenant, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. Il a fait une vidéo. Les hommes ont tagué, fatigué. Faut aussi laisser moi respirer un peu. Le gars s'appelle DJ Souris. Applaudissons pour DJ Souris. DJ Souris, ça va? Assieds-toi, à côté. Voilà. Malade, assieds-toi. DJ Souris, ça va? Oui, ça va. Assieds-toi. Pourquoi t'appelles DJ Souris? Bon, en fait, le nom, c'est pas DJ Souris. Mais c'est quoi? Mais c'est ce qu'ils m'ont écrit. DJ La Souris. DJ La Souris? Oui. Pourquoi DJ La Souris? DJ La Souris, parce que d'abord, je suis un vendeur de produits de souris. Ah, médicaments de souris, là. Mmh. C'est voilà. Ça que tu vends. Et puis, par la suite, je fais des petits atalakous. Atalakous. D'accord, on va découvrir ça tout à l'heure. Voici la première vidéo que moi, j'ai pu voir sur les réseaux sociaux qu'on m'a balancé. Tu as fait une vidéo où tu as dit mon nom dedans. Pardonnez à cause de Dieu, je suis en train de quelqu'un aussi. Il sommeille. Regardez la première vidéo. Des mains, nous mettons la mort pour les salamandres. Hey, qui gâte tout ça, c'est toi qui prends des toits, tu te parviens, c'est parmi les biens, viens ça. Depuis la souris TV, il fait du rap. Hey, monsieur, venu ton bord, dédicace à vous, rencontre, je vous aime. Hein. Yeah. Mais il y a des cafards dans la maison, là, façon, ils sont pas bateaux. Ils n'ont pas de respect, donc on va les dire. Toi, tu veux la paix, ils te donnent la misère. C'est pourquoi j'ai été pour les commander, pour les éliminer dans la maison, faut pas, ils vont gâter tout. Alors, les voix partout, tous, c'est la tradition qui s'appelle Fatou, tandis qu'Arija m'a dit. Donc moi je vais les dire dans la maison, ça va. Et puis ils ont gardé tout ça. Je suis trop fond de ta gomme. Mais capable de la manière polie dans la maison qui gâte tout. Mon train train de sang là depuis jamais encore on va les éliminer. Merci. Yep. Les amis, permettez-moi de dédier cette vidéo-là au meilleur réalisateur cinéma donc de Côte d'Ivoire, c'est le HH Yassin Tounsoun. Avec lui, on prépare du lourd. Restez connectés en tout cas. Allez, justement, il y a une deuxième vidéo encore que tu as eu à faire. On va regarder ça maintenant. P. Voilà, affaire à suivre. Je vous aime. Elio. Mon nom, t'as fait quoi? D'accord. Manager, comment tu le trouves? Oui, bon, franchement, il est bon. Il est puissant, il est fort. C'est comme toi, Manager, t'es fort. Yeah. S'il a eu au moins quelqu'un pour le pousser. Hein, dis-moi. S'il a eu quelqu'un pour le pousser. Forcément. La monnaie, toi, tu aimes les artistes. Ouais. Il va aller loin. Il va aller loin. Oh, merci, Manager, merci.
Manada, merci infiniment. Merci. Quelqu'un d'autre allait rester là et puis il allait être gonflé comme ça, mais toi, vraiment, tu es d'une humilité. Bravo. Merci infiniment, Manada. Et pour la petite info, on va découvrir dans quelques instants le nouveau single de Manada, c'est le Zassa Kongo Boué. Manada, tu es fort. Allez, le frère, viens à côté de moi. Tu as 1 minute 30 pour faire un atalakou. Mais toi-même, à la base, là, tu vends médicaments de souris, tu as fait école, non? École de quoi? Bon, j'ai fait des... Non, attends, parle d'abord dans ça. Et puis après, ils vont monter ici, là, le niveau pour que tu chantes. Tu as fait école de quoi? J'ai fait l'école primaire jusqu'à la quatrième. D'accord, et puis après, tu as arrêté. Et puis, par le décès de mes parents, j'ai arrêté les études. Donc là, maintenant, tu vends les médicaments de souris depuis combien de temps? Ça fait maintenant pratiquement 10 ans. 10 ans, waouh. Est-ce que tu arrives à t'en sortir avec ça? Bon, au début, c'était bien, mais par les circonstances des incendies qui arrivent, j'ai perdu mon magasin qui a été brûlé par le feu. Wow. Et je suis revenu à zéro. Et je n'ai pas relâché. D'accord. J'ai continué. Aujourd'hui, là, quand tu regardes, là, normalement, là, il te faut combien pour faire un magasin? Bon, actuellement, mon magasin, il me faut au moins 500 000, 600 000. 500 000, 600 000. D'accord, il n'y a même pas de drap. Ce qu'on va faire, Boris, d'ici la fin de l'émission, il faudrait peut-être voir, on va trouver un numéro. On va lancer un appel à tous les Ouamiens. Chacun a cotisé. Nous-mêmes, on va cotiser. D'accord. Parfait, voilà. Attendez. On va cotiser. Et puis, chacun va t'aider à retrouver ton magasin. Merci. Voilà. Maintenant, à Talakou, là, si tu as tué. C'est que tu as tué. Petit, mets le beat. Tu vois. Ah, dédicace spéciale encore depuis quand on a dit la souris. Ça pourrit pas. Hey, c'est matin encore là, ici, Awam, encore avec ton voilà, le souris, le tombeau. Hey, encore les balles à demander l'encore là, nous venons là pour les souris, t'as pas la main des polis qui me bat la maison, qui donne à la maison, mesdames, de mettre la colère, recevez les inspirations depuis qu'il y a eu Awam encore. Hey, c'est bon. Hey, si tu vois, pas qui a dit la souris, pas de côté, l'enseignant, ils vont te dire sur le terrain, c'est bon, les rappels, la bohème, encore qui tue la souris, t'as pas la main des polis qui me bat la maison, qui donne à la maison, qui pompe ça. Hey, je vais les faire mal, les gars, la maison, ils veulent pas la maison, ils doivent venir chez toi, là, c'est dangereux, pas non, faut pas les laisser bon gâter dans ta maison, là. Hey, à quoi n'est pas la demande, c'est le commando qui va les commander. Commander les talamans, la police de la maison qui veut pas la maison, qui donne la maison, mais donne la maison, la connaît pas la demande, la bonne antidée, la souris. Ça va les gens, ça m'envoie qui quoi des gens. Voilà, moi je suis calé là, prends-toi dedans, mais ça, quand je vais dans la maison, là, tu dois bien, y'a pas de là, c'est ça, qui t'a la capote, la monnaie police dans la maison, ça m'envoie. Quand pas là, tu dois chez les gens, à cause de toi, rendre pas bien dans la maison, là, ton souris là, Willy, bon, t'es déjà. Willy Tombo, c'est le père qui n'est pas le souris qu'à pas elle. Aujourd'hui, dans ta maison, la souris va prendre des sangs. Quoi, ça m'en pâte, il dit quoi, là, gagné, ça m'en pâte, c'est ça qu'il est, Peggy Roma, ça m'en pâte, il dit quoi, c'est encore là qu'il est, dit, là, moi, dans la maison, qui paie pas la maison, qui donne la maison, là, non, le monsieur, quoi, un chunk, ça m'en pâte. On dit quoi? C'est comment? Trappe-toi dedans! La petite souris est polie qui rit dans le riz de la petite qui est en bas du lit qui procède qui regarde ce qui est joli maintenant, c'est ça qui va l'aider. Ça m'en parle là, c'est ça qui est là. Trappe-toi dedans là, ça m'en parle là. Dis que la souris là, depuis gagné ou à la voilà. Petit baillé moi sur le terrain, maintenant ça prend que tu. Ça m'en parle là, dis quoi là, ça, à quoi mais là. Dis que la souris là, ça m'en parle là. Merci beaucoup. Manada, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à travailler des billets de dollars. Ouais. Pour t'enlever la John Aka, t'es redonné ça. Amina. Dis thank you very much. Faut s'écrire, s'écrire. Voilà, t'as allé changer ça après. Il y a les quoi à 13 jours où on peut changer. D'accord. Fais vite. Faut que tu vite. Voilà. Et alors, donc, là, toi maintenant, de toute façon, tu chantes la tête, fais quoi? Tu es chanté? Oui, c'est. Tu es chanté? Il y a des coins où tu t'en chantes souvent. Il y a des coins à Gagnoua souvent, mais vite pour des mariages. Ouais. Pour bon, d'accord. Voilà, d'accord. Ce qu'on va faire,
WAM, même si la maison de production n'existe pas, WAM Production, oui. Et tous les blédards, on va produire une chanson pour lui. Et puis un clip. Voilà. Didier la souris. Didier la souris. Voilà. Didier la souris, donne ton numéro de téléphone, on ne sait jamais. On a besoin d'un numéro de téléphone. On a lancé une cagnotte aussi en même temps parce qu'il dit son magasin a brûlé. Attends, c'est ça qui faisait que ça marchait. Donc maintenant, comme il n'a plus de magasin, quand il s'en vend maintenant là, il est obligé de vendre ça en main propre. Voilà, donc oui, Boris, donne le... Qui peut donner un numéro d'accord, de d'accord, rapidement, bien, rapidement. Le frère. Donne le numéro rapidement. Tiens le micro, tiens le micro. Coucou, il n'y a pas de temps. Ah, viens. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, moi c'est Bondé. Ah, Bondé, hein? Bondé. Bondé. Faut bien dire, hein, il faut pas les autres. C'est Bondé, Bondé. D'accord, donne le numéro de téléphone. C'est le 07 ouais. 49 16 82 96. 07 07 ouais. 49 16 82 96. 07 07 49 16 82 96. Merci Bondé, merci Didier la souris. Merci bonne chance pour la suite. Merci. On va les applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci infiniment. Merci bravo mon gars, bonne chance. Merci on ensemble. Didier la souris, merci. Manager, oui. Merci infiniment. On ensemble, mon gars. Merci infiniment. On va faire encore du bruit aussi, s'il vous plaît, pour Manager. Madame, on va regarder un extrait donc, de ton nouveau clip, oui. Puisqu'on va bientôt terminer ici avec une prestation inédite de Manada. Ce sera la première prestation de Manada avec sa nouvelle chanson baptisée le Nzasa. Bongoboué. Bongoboué. Le clip est magnifique, on l'a regardé, franchement, regardez. Je ratifie en Idéon, je vais là-bas en Idéon, je tourne aussi en Idéon. Mais à quoi? On dit je sais pas chanter. Ah, comment ça? On dit je sais pas chanter. Ah, tu dis quoi? On dit je sais pas chanter. Mais c'est le coupé de je dis oh. Tu as été victime de beaucoup de moqueries, mais ta constance, ta détermination, le sérieux que tu mets dans ton travail vraiment vont te conduire loin, mais surtout ton humilité. J'aimerais vraiment que dès aujourd'hui, et pour ceux aussi qui prennent du temps, mais commencez déjà vraiment à mettre beaucoup de respect sur le nom de Manada confirmé, parce qu'il confirme véritablement que Dieu te bénisse. Merci, et que ne cesse de te faire monter. Merci, Manada, bien. Merci, papa. Il faut regarder ici, et puis il faut dire un mot en anglais pour saluer toutes les personnes qui t'ont aidé aux États-Unis là-bas. En anglais, hein? En anglais. Ouais. Tu dis leur nom et puis tu dis thank you. Nous tous on va t'aider. Thank you. D'abord, Yoda de bon. Thank you. D'abord, je dis merci à mon père, à Jude 47. Thank you. Je dis merci à vous-même. Thank you. Et je dis merci à maman chérie. Elle s'appelle comment maman? Dilly. Maman Dilly. Thank you. Je ne sais pas si elle t'a envoyé la. Ouais, ouais, Madi, mais il faut la dire en même temps. Ok. Je la dis en même temps. Ouais, faut la dire. Faut dire. Ok, bon, la nouvelle que je voulais vous donner. Manada, soon. À concert. Soon. Soon. Concert. Concert. At. Apollo. Apollo. Theater. Yeah. New York City, Harlem. Thank you. Voilà. Maintenant, tu dis, now receive my dancers. New York City. Hey! Venez. Avant la petite. Mon petit a sauté, c'est mes dieux. Ah, mais ton avis, papa a 47 ans. Tu jettes dans la foule, on reprend plus, hein. Bombe Patrine, PDG Emmanuel Labo. Proposition, c'est qu'à son arrive. Ambo, c'est qu'à son arrive. Tu dis quoi? C'est qu'à son arrive. Dis qui dit? C'est qu'à son arrive. Sondi pas, c'est qu'à son arrive. Un peu doux. Je rate ici en Idéon. Je vais là-bas en Idéon. Je tourne aussi en Idéon. Mais à quoi? On dit, je sais pas chanter. Comment ça? On dit je sais pas chanter. Ah, tu dis quoi? On dit je sais pas chanter. Mais c'est le coupé de ta je dis oh.
Merci infiniment à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous, surtout, très cher public. Sortez couverts en bas, Dieu vous garde, bye, au revoir. Bravo.